ans. Je suis située à Niort, entre La Rochelle et Poitiers, dans les écuries de mon père Ouara Dorcal. J'ai 12 chevaux au travail tout au long de l'année. Ma ponette de tête a été vendue récemment. Balisto, qui a gagné les 7 ans par Roscoe de Belfond, et Flamme par Quickly of Rafari, que j'ai récupéré il y a un mois. Il participait sur des épreuves chevaux à 1,5 m avant avec son ancienne cavalière. Et il a été mis au travail en octobre. Avant ça, il était à l'élevage. C'est un poney très respectueux de la barre, avec beaucoup d'amplitude, du sang, assez facile, qui va être très bien pour un enfant après. Son père avait fait les grands prix avec Lou Faved et Tom Faved par la suite. Ils ont le même style à l'obstacle et je pense qu'il a une belle carrière à suivre. Tout au long de la finale, il a très bien sauté. Le dernier jour, on a vu le poney un tout petit peu moins en forme et un peu moins explosif, mais il a quand même fait 3 beaux parcours sans faute. Et l'objectif par la suite, c'est de le vendre. Son propriétaire, c'est Jean-Luc Vernon, qui a investi dans le poney et qui a cru jusqu'à la finale. Ça a été un peu un pari, mais au final, il a quand même gagné le championnat et on espère qu'il aura un bel avenir dans le monde du poney. Je remercie son propriétaire, qui est aussi mon coach, qui me coach tout au long de l'année, qui m'a emmené en Grand Prix Excellence avec mon autre 7 ans, Bagatelle, et sa naisseuse, sans qui rien n'aurait été possible. La personne qui l'a monté, Mendy, au concours où je l'ai repéré, et son coach Alexandre, qui me l'a fait essayer, avec qui ça s'est très bien passé et que j'espère retravailler avec.